Et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Nous parons notre cœur à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, en seul Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Princes, au chapitre 9, et versets 5 à 9. Moi, Esdras, à l'heure de l'offrande du soir, je me relevais de ma prostration, le vêtement et le manteau déchirés, je tombais à genoux. Les mains tendues vers le Seigneur, mon Dieu, je dis, mon Dieu, j'ai trop de honte et de confusion pour lever mon visage vers toi, mon Dieu. Nos fautes sont nombre, nous submergent. Nos offenses se sont amoncelées jusqu'au ciel. Depuis les jours de nos pères et aujourd'hui encore, grande est notre offense. C'est à cause de nos fautes que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos prêtres, aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte qui nous accablent encore aujourd'hui. Or, voici que depuis peu de temps, la pitié du Seigneur notre Dieu a laissé subsister pour nous les rescapés et nous a permis de nous fixer en son lieu saint. Ainsi, notre Dieu a fait briller nos yeux et nous a rendu un peu de vie dans notre servitude. Car nous sommes asservis, mais dans cette servitude, notre Dieu ne nous a pas abandonnés. Il nous a concilié la faveur des rois de Perse et nous a rendu la vie pour que nous puissions restaurer la maison de notre Dieu et relever ses ruines afin d'avoir un abri solide en Juda et à Jérusalem. Parole du Seigneur. Béni soit Dieu le vivant à jamais. Béni soit Dieu le vivant à jamais. C'est lui qui châtie et prend pitié.
qui fait descendre aux profondeurs des enfers et retire de la grande perdition. Nul n'échappe à sa main. Béni soit Dieu, le vivant à jamais. Rendez-lui grâce, fils Israël, à la face des nations, où lui-même vous a dispersé. Là, il vous a montré sa grandeur. Exaltez-le à la face des vivants. Béni soit Dieu, le vivant à jamais. Car il est notre Seigneur, lui, notre Dieu, notre Père, il est Dieu dans les siècles des siècles. Béni soit Dieu, le vivant à jamais. Regardez ce qu'il a fait pour vous. Rendez-lui grâce à pleine voix. Bénissez le Seigneur de justice. Exaltez le roi des siècles. Béni soit Dieu, le vivant à jamais. Et moi, en terre d'exil, je lui rends grâce. Je montre sa grandeur et sa force au peuple des pécheurs. Béni soit Dieu, le vivant à jamais. Revenez, pécheurs, et vivez devant lui dans la justice. Qui sait s'il ne vous rendra pas son amour et sa grâce? Béni soit Dieu, le vivant à jamais. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus rassembla les 12. Il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons, et de même pour faire des guérisons. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Il leur dit: ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Quand vous serez reçus dans une maison, restez-y. C'est de là que vous repartirez. Et si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un témoignage contre eux. Ils partirent et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bénissons le Seigneur qui nous rassemble ce matin et nous donne d'écouter sa parole. Sans doute, en écoutant cette part d'évangile, nous nous interrogeons en disant: mais où sont les guérisons? Il les a envoyées il y a 2000 ans. Aujourd'hui encore, est-ce qu'il y a des guérisons? Nous devons pouvoir nous abandonner à la providence. Tout comme ce peuple qui, coupé de la grâce de Dieu par la désobéissance, s'est trouvé en exil et le Seigneur a permis que par un roi païen, il puisse revenir et bâtir le temple de Jérusalem.
la providence du Seigneur est toujours en action. Et Esdras le rappelle, nous devons pouvoir bénir le Seigneur, qui jamais ne nous abandonne. Demain, nous allons célébrer Saint Padre Pio. Padre Pio fut un prêtre capucin et qui, au cœur de sa vie, ou encore au cœur de la misère en Europe, avec la Première Guerre mondiale, voyant tant d'hommes et de femmes estropiés, il a compati à leur misère et ne s'est pas contenté de l'imposition des mains, mais s'est donné de bâtir une structure médicale grâce à la générosité de ses fils et filles afin de permettre que la mission confiée par le Seigneur à l'Église puisse continuer, guérir les malades. Puisque le Seigneur, de par son esprit, a donné à l'homme l'intelligence, le progrès de la science. Aujourd'hui encore, dans les hôpitaux de Padre Pio, tant d'hommes et de femmes y vont en pèlerinage à la recherche de la santé, mais aussi un centre de recherche pour les maladies liées au siècle présent. Donc demandons au Seigneur, qui nous aime tant, de continuer à inspirer dans nos cœurs des voies qui puissent nous mener à accomplir la volonté du Seigneur tous les jours de notre vie. Amen. Amen. Au Seigneur d'arrêter la propagation du coronavirus. Père tout-puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde de la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes, afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir les arguments de l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur.
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir une action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux et toutes celles qui écoutent sa parole. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, ouvrons les cieux, béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. Hosanna, ouvrons les cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, il entrait librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce à la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité avec le pape François, notre père archevêque Jean-Patrick Ibaba, qui soutient la charte de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi du père Grégoire Péoun. Souviens-toi de Casimir Oyema. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs dont le souvenir nous est présent, qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Tous les défunts de différentes familles. Et Seigneur, leur donner de trouver grâce auprès de toi. Que nous tous enfin nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur tous les malades. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur ces jeunes qui se préparent à la rentrée scolaire, sur leurs parents, sur les enseignants. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur tous ceux qui nous gouvernent.
implorant ta bonté aux intentions de tous ceux et toutes celles qui se confient à nos prières. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et de gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci à toi, la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit aux apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne le garde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui, Dieu, cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Heureuses sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Thank you.
Le Seigneur Jésus nous dit, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Prions encore le Seigneur. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux et celles que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Une bonne journée à tous. Merci. Merci.